Bon, here we go. J'ai des points attribués, c'est vrai. Ça quand même, parce que si je me dis que mon bouclier ça peut le faire. Rang 3 est pour étendard, c'est parfait. Ma petite Cora. Mon petit Jaal. Vetra. Mon petit drac. Faudra changer un peu l'équipement. Il y a un que je prendrai jamais dans mon équipe parce que je suis un soldat. Quoique, comme je suis hybride. En orbite stable autour de Vold. C'est vrai qu'on n'a pas continué les quêtes ici à Volda. On a fait juste la quête principale. Bon, à voir. On a fait 100%, on a fait 100%, on a fait 100%. On fait un tour Ayos. Le système Pythéas qui abritait Eos et Prodromos. C'est pas que le scorpion commence à me péter les couilles. Ah. Possible. Synchronisation, trajectoire stable.
Hey, quoi de beau sur iOS? Qu'est-ce qu'il y aura de fun? J'espère qu'il y a des trucs intéressants à faire. Le plus? Attends, si. Tu parles, y'a rien de nouveau dans cette base là. J'ai hâte de savoir ce que vos scientifiques apprendront des hausses. Apprendre à perdre ravitaillement dans nos équipes de recherche. Coordonnées du matériel perdu ajouté, pionnière. On ne s'est pas décarcassé à rendre des avant-postes viables pour ensuite abandonner nos ressources comme ça. Allons voir ça. What? Bon. Alors, on commence par où? À l'ouest. Attends, je passe. Attends. Attends. C'est quoi? C'est quoi? Attends. Là, je suis dans une crevasse. Ok. On va plutôt prendre une zone de TP. Donc, même quand t'as fini certaines planètes, encore des missions qui reviennent. Putain! Alors, maintenant je suis. Continue au sud-ouest, ce qui doit être là-bas. Ces mondes ont besoin d'une vie normale. On dirait que des bestioles sont venues se servir dans nos caisses de matériel. Pas notre matériel, cela dit. Sam, t'es sûr de ce que tu dis? Oui, pionnière. L'ouverture de ces caisses s'est faite selon la procédure habituelle. Il est peu probable que la faune locale en soit l'auteur. Ce sont des insectes, Sam. Ça ne peut pas être eux. Il nous faut davantage de données pour confirmer cette hypothèse, pionnière. Tu te comportes vraiment comme une machine, des fois, Sam. On va pas se faire chier en ce TP là.
La voie est libre, mais je parie qu'il ne reste plus rien. Plus de doute, quelqu'un a ouvert les caisses avant de placer un appât à l'intérieur. Mais qui ? Cette information requiert des données supplémentaires. Tu vois, c'est là où il y a les voyages instantanés. J'ai de la chance. Je sais pas trop jusqu'à quelle heure je vais stream, mais il faut que j'avance le jeu, parce que j'ai l'impression que je vais jamais le finir. D'après le scan, le matériel a été largué à un moment où personne ne serait là pour le récupérer. Les données de livraison ont été modifiées manuellement, vraisemblablement pour éviter toute confrontation durant le larcin. Des voleurs au cœur d'or ? Données insuffisantes pour caractériser le système. Je crois que je l'ai coupé la parole. Waouh. J'aime bien les cheminées de fées. En s'y prenant bien, on peut s'en servir pour assommer des dévoreurs. Bam ! Lui, il pense à assommer des dévoreurs carrément, quoi. C'était des civils, des techniciens, et ils se sont battus quand même. Ils auraient eu plus de chances de s'en sortir avec un Krogan. Sans vouloir vous vexer. Dernier site. Des créatures autour de nos caisses une fois de plus. De nuisibles en vue, mais on dirait bien que ces possessions étaient complètement vides. Pionnière, un examen approfondi des zones de ravitaillement. Ah, il faut que je fasse un rapport sur possible pour la modification des données de livraison. Bien, on a les coordonnées d'une planque. Allons voir qui s'est donné autant de mal pour un vol. Je m'en TP là-bas. Hein. J'ai encore coupé la parole. C'est une habitude que je coupe la parole dans le jeu là, j'ai l'impression. Le fléau a dévasté de nombreuses planètes. En voir une remise plus ou moins en état. Mais ça fait bizarre. Bon, est-ce que c'est une bonne idée de monter par là ? Apparemment, faut que je grimpe là-haut. Ouais, c'est par là. On dirait une sorte de raid bus, quoi. Ça a l'air d'être plus simple de passer par là. Bah. Je passe par où là ? Non, c'était mieux ici. Ok. Oh putain, la base carte, comment elle avait violé. Je suis heureux. Mélangez ton tir, pionnière.
bien ceux qui ont essayé de dissimuler les vols de matériel, je pense que vous préférez éviter la frontière. Vous avez bien fait d'accepter de discuter. Vous êtes ? Chase Gannon, je faisais partie des équipes de maintenance. Écoutez, comme vous l'avez dit, on voulait faire de mal à personne. C'est pour ça qu'on est revenu ici. On voulait pas être dehors la loi. On a de la famille sur le Nexus. Mais on pensait qu'on serait pas les bienvenus. Tan n'est pas réputé pour sa clémence. Pas qu'on la mérite, mais bon. Comment vous avez fini comme ça ? Quoi ? Exilé ? On n'avait plus d'espoir. Vous devez comprendre qu'on était tous convaincus qu'on allait mourir. Et quand ils nous ont exilés, on a vu que ça pouvait être bien pire. Nous en prendre aux nôtres, nous, on pouvait pas. Alors on s'est caché ici et on s'est dit que... Je sais pas. Je sais vraiment pas, pionnière. Vous admettez être des criminels. Est-ce qu'on avait le choix ? On aurait signé notre arrêt de mort si on était rentré. Mais on pouvait pas continuer comme ça. On n'est pas des pirates. On est venu ici pour construire quelque chose. On pouvait juste vous regarder le faire à notre place. C'était toujours mieux que rien. Ça ne peut pas continuer. Vous devez bien vous en douter. On n'a pas l'intention de continuer, pionnière. C'est juste qu'on... On a essayé quelque chose et on s'est bien planté. J'ai connu mieux comme justification. C'en est pas une. On a eu peur, on a déconné, et on le regrette. On est peut-être stupide d'être venu ici, mais on veut croire qu'il y a un moyen de rentrer. Vous voulez qu'on vous donne une chance ? Tan serait peut-être contre, mais il n'est pas là. Vous pensez que ça peut marcher ? Qu'on nous acceptera ? Prodromos n'est pas du genre à refuser l'aide qu'on lui offre. Je sais pas quoi dire, pionnière. Comment vous remercier ? En vous mettant au travail. Oh, putain. Oh non, c'est du nickel. C'est comme d'hab. Ouais, on se TP. On s'éclate. On a fouillé juste pour trouver des mecs pour dire... Bon, finalement, on pouvait rester là. Hein. Je pense quand même que ça aurait été mieux avec des soldats. Matériel volé par des hors-la-loi. Récupéré en partie, mais c'était pas beau à voir. Il va falloir faire attention. Recommandation enregistrée, pionnière. Bon, y'a rien de plus au final, avec une petite cata à la con. Compétences. C'est toujours mieux avoir le point en moins. Ouais. On se casse. Bonjour, pionnière. Cette exaltation est une horrible vérité qui hante le quotidien des Angara. Je prie pour que... Portez-vous bien. Journal. Allez, vas-y. Retourner à Aya, ouais. Rencontrer. Réussir sur Bold. Chercher des déclencheurs de souvenirs. Trouver la pénètre dans son énergie de surveillance. Il y a plein de trucs à Bold qu'on doit faire. Trouver le Pyramia. Vas-y, go pour l'arche, ça a l'air intéressant. Ascension en cours. Sortie d'atmosphère. RAS.
Ah, j'hésite. Je m'en fous une deuxième monster ou pas? Ravi de vous revoir. Ah, tout est là. Ok, il y a vraiment du boulot à faire sur Vuette quoi avant de partir. Aya, en gros, c'est la grosse suite principale. Vuette, c'était une des deux quêtes que tu choisissais à faire. Ah oui, colonisation de Vold, Pibis, projet secret, corps à peur, rencontre à cœur distance, connaître son adversaire. J'ai du taf quoi. Ah non, par contre, l'équipe l'aura bien changé. Drac, quoi qu'il se passe, je le garde dans mon équipe. Un peu de pibi, tiens. Les drags, ouais, on va te changer un peu de drag. On va prendre les drags. Team Girl Power. On approche de la ZA. En vrai, avant de faire la quête principale, j'aurais dû faire les quêtes de Void. Et sur Vell, il y a du taf, il y a de la mission, il y a de l'exploration, il y a on se faire chier. Sont négatives et continuent à chuter. Oula, oh, commence pas à tomber toi. Je détecte une température normale, pionnière. En avant, à pionnière. Bien qu'on va éclater des méchants, on va les éclater. Et là, j'ai pas scanné. Aussi. D'accord, allez-y. Allumez. Les systèmes de survie sont à nouveau opérationnels. Ouais, bon. Vous devez être la pionnière qui a sauvé la Moshai. Je m'appelle Anjig d'Oxil. Je suis le commandant de ce camp. J'ai plus besoin d'avoir Jala. Comment ? Vous êtes la bienvenue ici en tant qu'allié des Angara. Merci pour cet accueil plein de chaleur. C'est une blague. Pour briser la glace. Vous comprenez ? Plein de chaleur. La glace. Oh, vous êtes pas drôle. Sûrement un problème de traduction. Peut-être. Blague douteuse à part, j'espère que vous rejoindrez le combat contre les cartes. Votre aide serait la bienvenue.
On tient les cartes à l'écart, mais on n'a pas réussi à leur asséner le coup de grâce. Plus ça dure et plus ils risquent de prendre l'avantage. C'est pour ça que je suis là, pour vous aider. Si vous voulez savoir où vous pouvez nous être utile, rendez-vous au poste de guet qui surplombe la vallée. Nos guetteurs sont les premiers à savoir tout ce qui se passe sur Völd. Avant que vous partiez, est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre que je puisse faire pour vous? La résistance existe depuis longtemps? Presque aussi longtemps que les Kert. Quand notre armée a été anéantie, les civils ont décidé de prendre les armes. Ils ont formé la résistance dans un dernier espoir de reprendre notre... Oh, il me file facile le monstre. On dirait que ça a marché. Seulement depuis qu'Ephra est aux commandes. Sa stratégie nous a donné l'avantage dont on avait besoin contre les Kert. Mais la victoire est encore loin. J'ai rencontré Ephra. Il est... intéressant. Il fait rarement bonne impression la première fois. Il peut être austère, mais la résistance a besoin de quelqu'un comme lui. Ephra a transformé un groupe de combattants civils désorganisés en une armée efficace. Les quelques victoires qu'on a remportées contre les Kert, c'est à lui qu'on les doit. La plupart des gens semblent lui vouer un profond respect. C'est parce qu'il ferait n'importe quoi pour son peuple. Et il nous inspire le même sentiment. On a beau ne pas être toujours d'accord avec Ephra, on le suivrait quand même jusqu'au bout des étoiles. C'est tout pour l'instant. Si vous avez des questions, je reste ici. Bon, spécialement de questions. Ouais, c'est beau. Ok, c'est magnifique. Mes excuses, pionnière. Je suis occupé en ce moment. Bon, si t'es occupé, tant mieux. Ok. Apparemment, la résistance ne reçoit pas l'approvisionnement prévu. Ah bah, c'est justement le mec que je viens de parler. Pionnière, je peux faire quelque chose pour vous? Vous êtes le responsable des dotations? Il paraît que vous avez des problèmes d'approvisionnement. Bien sûr que non. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais tout va pour le mieux. J'ai vu les messages que vous avez reçus. Qu'est-ce que vous cachez? On cache tout. Ne parlez pas si fort. Je dois à tout prix éviter que la nouvelle s'ébruite. Personne ne sait que les envois n'arrivent plus. Si les autres l'apprenaient, ce serait désastreux pour leur morale. Il faut que j'enquête discrètement. Vous avez des pistes? Pas vraiment. Le ravitaillement arrive bien sur la planète, mais jamais je... Non, il me l'a rechargé mon portable. Ce sont les Kert, c'est évident. Le sabotage, c'est bien leur genre. On a changé de site de largage, mais en vain. Si j'envoie quelqu'un enquêter, tout le monde sera au courant. Mais j'ai bien peur que ça finisse par devenir inévitable. Vos hommes méritent de savoir ce qui se passe. Vous devriez le leur dire. Avec tout le respect que je vous dois, la cohésion de ce camp repose sur moi. Si je ne dis rien, c'est pour leur bien. Je ne peux pas cautionner une enquête officielle, mais je peux pas non plus vous empêcher de fouiller de votre côté. Les coordonnées du site de largage actuel se trouvent dans ma console personnelle. Vous avez l'air de vous y connaître en décryptage. Alors je vous laisse vous débrouiller. Ouais. Décryptage terminé, pionnière. Je vous marque les coordonnées du site de largage. Alors, est-ce qu'on va se balader dans une planète où il va faire froid et que ça va être comme les radiations? Faut faire gaffe. Ou on a intérêt à trouver un caveau pour s'en sortir? Les températures sont négatives et continuent à chuter. Mais c'est moi qui ai apporté le casse-dalle là-dedans. Oula, je voulais pas vous faire peur. Nom d'une étoile, c'est la pionnière! On a entendu dire que vous aviez éclaté les cartes. Vous leur avez fait ravaler leur exaltation. Hallucinant. La ferme, Beniska, tu me fais honte. Toi, la ferme? Je suis charmante, pas vrai? Les Angara ont été formidables avec nous. Vous y compris. Alors merci. Tu vois, Tzik, on est déjà potes. Ouais. Alors, comment ça se présente ici? Des conseils? Pour commencer, vous pourriez rejoindre le combat à Jara, où vous voyez ces lumières rouges. Il paraît qu'ils ont besoin d'aide. Ou vous pourriez simplement aller tuer des Kert là-bas. Il y en a partout.
Vous voulez savoir autre chose? On est des experts, ça fait une éternité qu'on est posté ici. Ces lumières rouges, vous dites que c'est Jara? Oui, la station Jara, un des Dahara de la vallée. C'est une petite communauté, essentiellement des scientifiques. Si vous n'y êtes pas déjà allé, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'aide là-bas. Comment des gens arrivent à vivre là-bas? On s'est adapté au climat, c'est si étonnant que ça. Ces lumières attirent l'attention. Les Kertes ne les attaquent pas? On s'est adapté à ça aussi. Les Kertes veulent nous capturer vivants, donc on se bat jusqu'à la mort. Ça a l'air de les dissuader. Qu'est-ce que c'est ce complexe alien sur la montagne là-bas? C'est le centre de commandement des Kertes. On le surveille en permanence. À quoi est-ce qu'il sert? Il contrôle les opérations des Kertes sur toute la planète. Leur vaisseau n'arrête pas d'aller et venir. Je me suis retrouvé nez à nez avec la préfète. Une vraie Vezane, sans foi ni loi. Même les Kertes avaient l'air d'en avoir peur. Mais on n'a pas beaucoup d'infos sur elle. Vous connaissez des ruines ou des sites reliquats? Je crois... En fait, je ne sais pas. Sik, lis jamais les infos? Non. Quand il y a quelque chose d'important, tu me le dis. Et donc, c'est où? Les lumières en hauteur. Sur votre droite, à un moment donné. Je vous laisse travailler. Faites attention à vous. Tempête, on va avoir besoin du nomade. Sur ma position. Déploiement de la station avancée. Bonne chance, Ryder. Protocole automatisé activé. Déploiement de la station avancée. Bon, ça va être l'éclate. Et moi, genre... Je n'ai pas parlé. Bon, tant pis. Des zones minières sont disponibles dans cette région pionnière. Je les ai ajoutées à mon système de navigation. Ok, Sam. Qu'est-ce que veulent de nos réserves? L'activité Kert semble concentrée autour de ce grand poste de commandement central. D'après les informations de la Résistance, la base coordonne toutes les actions militaires des Kert sur Völd. En le détruisant, on paralyserait leurs opérations. En théorie. Cependant, compte tenu des difficultés rencontrées par la Résistance Angara pour infiltrer la base, la tâche ne sera pas aisée. Je recommande une approche plus prudente, qui commence par l'inspection d'installations Kert de plus petite taille. Et les Angara, la Résistance, ils en sont où? Les dépêches de la Résistance indiquent que quelqu'un a besoin d'aide à Jara. Nous pourrions aller à Tikix, un Dahar Angara plus grand et plus établi qui se trouve dans les environs. Bonne idée, merci Sam. Pionnière, la température sur Völd est largement négative, et certains endroits connaissent des conditions encore plus sévères. L'utilisation du nomade sera nécessaire. Je vous recommande d'éviter toute exposition prolongée au froid. Compris, on évite les accidents. Nos scans ont détecté des monolithes reliquats, ce qui suggère la présence d'un terrain. Ça veut dire qu'il est peut-être possible de faire fondre ce glaçon. Bon, on a du pain sur la planche. Au boulot. Sinon, j'avais commandé un... Ah bah, il est là. Ok, excusez. J'avais pas vu. Je détecte une importante chute de la température. Le nomade a un dispositif de sécurité si jamais on tombe. Faites-moi confiance. Vous arrivez à voir quelque chose avec toute cette neige? Oh putain, si on pouvait rouler avec ça en France, avec la neige. Enfin, non, il n'y a pas de... Il n'y a jamais de neige. T'imagines, zone de neige plutôt en... dans les Pyrénées du Nord, enfin là où il y a plus de neige. Ce serait génial. Allez, allons là. De retour à la normale. Oh. Ennemi droit devant! Garde en approche! Faut qu'on s'en débarrasse! Moi je regarde, commence à regarder si j'ai d'autres fusils d'assaut. C'est un petit coucher, ça.
Et mon petit ça j'en crois d'un gros. Mais maintenant même les gros ça pue la merde. Attends, il faut que je reprenne mon vaisseau là. Pas mon véhicule. D'abord elle est là. Pionnière, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. C'est là le site derrière la gorge. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est des pirates là. De minéraux à visiter ici, putain. Donc on va celui-là qui est bien au sud. Ça, ça fait plus clair visuellement là où il va aller. Putain, il y a une connerie là. Pionnière, je détecte des cartes parmi ces rebuts. Oh mais je vais garder le mode port étendard, le port étendard est hyper cheaté dans le jeu là. Oh tiens, succès. Les pouvoirs combinés. Faire exploser 10 cibles amorcées avec un coéquipier en mode solo. Wow. J'ai jamais fait ça. Attends. Ah oui mais avec un coéquipier, oui, 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 forcément. Et du coup comme l'autre est utilisé télékinésie, forcément ça a dû aider un peu. Oui, je vais continuer aussi. Ça fait longtemps que les Angara combattent les Kert. Ça doit leur sembler une éternité. Ils ne sont pas du genre à se laisser faire. J'espère que... Un minéral inconnu a été détecté, Pionnière. Tiens. Ah non. Ça. Ok, putain, j'avais pas zoomé, putain. Bon, du coup, prochain objectif là-bas. Y'a de la mission, on va s'éclater. Pas déconner. Ah oui, en plus je fais des combos enflammés. Attention, grenade. Je
défense à faire les frags en étant en l'air comme ça. Bon, je suis en mode plus rien à foutre à scanner, de toute façon y'a plus rien à scanner dans le jeu là. Tu scannes presque plus rien, à part pour les quêtes. Je crois qu'ils ont abandonné en... Ils ont fait plein de trucs de scan au début du jeu et après ils ont fait ouais en fait, c'est chiant. Ça glisse bien putain. Là t'imagines que putain tout qui se pète dans toute la glace. Oh c'est quoi ça? Comment je vais scanner? Ce serait marrant une meilleure relation turienne à Azari. Mais je peux faire une humaine, peut faire un bébé avec une Azari? Enfin une femme, humaine en tout cas. Une question. Attends, je suis censé trouver quoi là? Allez, genre. C'est quoi? C'est bon? Bah oui, c'est juste là. Quel con. Déjà, on va activer déclenchement du déploiement le TP ici. J'aurais dû mettre quelque chose de plus chaud. Non. Ça va, j'ai pas si froid que ça. On dirait une communauté en Gara. Voyons voir si quelqu'un a besoin d'aide ici. Je détecte une température normale, pionnière. Par les étoiles, c'est vous. Vous avez sauvé la Moshe. Oh putain, il respecte tout ça. Frapper les cartes là où ça fait mal, ça a fait beaucoup de bien à notre morale. Notre alliance avec les Angara nous a aussi grandement motivés. Notre combat contre les cartes nous a unis. Ma grand-mère disait souvent que les familles naissent autant du sang versé que du sang partagé. Vous voulez tuer d'autres Kertes? J'ai besoin d'aide pour secourir mon oncle Nihilj. Je ne suis pas formé au combat, sinon j'irai ouais. Moi-même. Si les Kertes le transfèrent hors du camp de travail, on le perdra pour toujours. À quoi sert un camp de travail Kert? À plusieurs choses. D'abord, ils mettent les gens dans des cages. Parfois, ils les font travailler. Des fois, ils rassemblent des Angara jusqu'à ce qu'ils en aient assez, et puis ils les emmènent ailleurs. Et d'autres fois, ils se contentent de les tuer. C'est comme ça que mon père est mort. C'est horrible. Je suis navré. Ça sert à rien d'être navré. Évitez-moi plutôt de perdre un autre membre de ma famille. Je vais sauver votre oncle. Voilà les coordonnées du camp de travail. Dépêchez-vous, il lui reste peut-être plus très longtemps. Système de survie à 100%. Cool. Et apparemment, il y aurait une autre quête. La température est en baisse, pionnière. Comment se passe le forage? C'est vous la pionnière. Pas atteindre une profondeur suffisante pour prélever un échantillon correct. Oh, j'aurais bien dit. La glace est trop épaisse. Mais il faut que j'arrive à faire marcher. Avec un équipement de meilleure qualité, on aurait fini depuis. Ça fait des jours qu'elle capte des interférences bizarres. C'est Amral qu'il faut dire ça. Je peux pas transmettre mes données à nos collègues de Telara. Je peux faire quelque chose? Peut-être. Je pensais pas que nos machines vous seraient familières. Il faut que je fasse une pause, sinon je vais finir par tuer quelqu'un. Si ça vous tente, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Les systèmes de survie sont... Oui, mais ça me... Je suis courant. Tu vas me répéter tout le temps. Bon. Je détecte des températures inférieures à la normale. Un forage correct si mon équipement...
un dispositif de communication à haute puissance, sans doute destiné à couvrir toute la planète. Oui, bah alors, excusez-moi, on va faire étape par étape. D'accord. Et ces interférences dont le chercheur a parlé ? Je détecte un signal. Il est faible, mais cet équipement est très sensible. Attends, je dois aller aussi. Ingénieur, j'observe également un schéma régulier dans ce signal. Il est peut-être d'origine artificielle. Mais Kurt ? Le signal... Oh, comment je coupe le port à chaque fois ? Ce mec a rien à foutre des 4 secondaires. Ouais. J'ai rencontré votre sœur sur le Nexus. Elle est très... bavarde, énergique, énervante. Ouais, j'avais jamais rencontré quelqu'un comme ça. Elle m'a dit que c'est vous qui l'avez... élevée ? Ouais, enfin, j'ai essayé. Elle n'est pas facile. Mais pourquoi ? Vous aviez envie de jouer les mamans ? Pardon. Non, rien. Ah oui, putain, c'est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Un autre déclencheur de souvenirs ? Vous avez désormais accès à l'un des souvenirs de votre père. Ah merde, oui, bah attends. Bloc Sam, merde, putain. Pour voilà. Poursuivre vos recherches. Étape par étape. Oh, il y avait une petite fenêtre de vue sur sa gueule. Bon. En cas... Ah, j'ai mon nez qui me démange encore, ça m'énerve. Je pensais que ce serait le périphona. Il se peut que les dépôts de glace et de minéraux donnent de faux positifs. Le vrai signal doit être relativement proche. Il y a un truc inconnu là-bas.
final c'était juste une zone à découvrir. Bon, je passe un tri bientôt avec mes objets. Est-ce que je peux réussir à passer ici? Ça m'a l'air compliqué, surtout que ça a l'air d'être un passage comme ça, comme ça. Attends. Donc. On va essayer. Phoebe, vous pensez vraiment que ces reliquats vont nous aider à survivre ici? Nous porte à croire que oui. Vous n'avez pas l'air bien sûr. On trouvera un moyen. Même si ça doit se faire sans les reliquats, on y arrivera. Les piliers reliquats, attendez-vous à trouver des ennemis. Bah finalement c'est pas ça ici. Hein. Tranquille, on se fait faire. Ce site pourra accueillir un avant-poste, mais la planète n'est pas encore viable. Sam, c'est encore un déclencheur de souvenirs. Vous avez désormais accès. C'est à l'un des souvenirs de votre père. Retournez au bloc Sam sur le camion pour poursuivre vos recherches. Tourner au bloc Sam. Tralali, tralala, yili. Parfait, des minerais. Attends. En plus, je suis un trou de balle. Non, c'est juste en prenant ok. Là, on a un moniteur activé. Et... juste à gauche, on a un point. Ce site reliquat est doté de défense pionnière. En fait, on n'a pas testé le flingue. Oh, j'approuve à 100% le flingue. Même en multijoueur, je n'ai pas ce flingue là. On les a tous eus. Bon, il y a un spécial, c'est un point d'intérêt, c'est tout. Ouais bon. Je vais déjà d'aller. Je vais déjà d'abord aller là-bas. Ouais, ça a l'air d'être plus en bas. Je crois que je dois m'excuser, Petra. Maintenant. Ouais, c'est que j'avais une grande sœur. On avait 500 ans d'écart. J'étais à peine née qu'elle était déjà matriarche. Autrement dit, j'ai eu deux mères. Et ensemble, elles ont essayé de bien m'élever. Si des mois, on n'avait pas de parents. Il fallait bien que quelqu'un assume les responsabilités. Je comprends. C'est pour ça que je voulais m'excuser. Arrêtez votre numéro. Ok, laissez tomber. Faudra peut-être un jour des armes sur mon véhicule, non? Depuis longtemps, ça se trouve, j'ai des armes et que je peux pas m'en servir parce que je suis un trou de balle.
je sais, je suis là pour ça. Donc, très bien, trouvons ces glyphes. Ok, il y a une glyphe ici. Bah. J'avais pas vu une trappe là? Ah! Devant une deuxième là. Oh. Ah bah même les trois là-haut. Ah oui, ils ont changé les règles. Ah, ça s'est compté comme une nouvelle case. On va commencer déjà là où c'est bien rempli. Ça, j'ai. Ça. J'ai pas. Et il peut pas être là-bas parce que. Ok. Voilà. Ça. Voilà. On va se faire. Tiens, là, il y a les deux. Potentiellement être là. Celui-là ne peut pas être là dans tous les cas. J'ai des suggestions Facebook en ce moment. Mais que de meufs, c'est pas beaucoup. Alors attends, oui. J'ai rien qui me contredit qu'il peut être là. Bah si, j'ai tout qui me contredit qu'il peut être là. Mais... Ça peut être ça. Ça, j'ai ça. Il est pas. Je l'ai pas dans cette zone. Je l'ai pas dans la vigne. Donc on est bon. Commençons là où il y a une autre zone à 2. Rien me contredit de le mettre ici. Ça a l'air compliqué de le caser ici. Enfin, tout caser ici. Là, j'ai plein de trucs là. Je peux peut-être facilement choper ici. Donc là, c'est mort. Là, j'ai pas le choix d'être là. Du coup, j'ai pas le choix de mettre là celui-là aussi. Non, celui-là est déjà casé. Et celui-là, bah, du coup, j'ai pas le choix de mettre là. Et il me reste lui. Que je peux mettre là, ok. Lui, j'ai pas le choix de mettre là, du coup. Lui, je n'ai pas chaud de le mettre là. Du coup, il me resterait. Celui-là qui est casable ici. Ok. Ça, j'ai pas chaud de le... Non, je peux pas le mettre là. Je peux pas le mettre là. Et il est déjà ici. Je peux pas le mettre là. Je peux pas le mettre là. Je peux mettre que lui. J'ai pas chaud de le mettre là. Lui, je peux pas le mettre là, donc du coup, ça sera celui-là. Et j'ai rien qui me dit le contraire. Donc il me resterait celui-là. Et on est bon. Interface validée. Les monnaies c'est dans ce coin là, donc go faire le chaos quoi. Vous croyez qu'on finira par trouver un vrai monde en or? Je veux dire un qui n'essaie pas de nous tuer. Encore t'as repopé entre temps, oh, unique hein.
dit celui-là. Les Angara ont l'air sympas. Ils pourraient devenir nos alliés. Quoique je ne serais pas surprise s'ils finissaient par nous détester. Bon sang. J'espère vraiment qu'ils seront de notre côté. Attends, changement de rediff.